Pour la première fois, j'ai un caméraman. Eh oui. Est-ce que ça vaut le coup ? Je pense pas, mais on va dire que oui quand même. Le Real a perdu. Ouais. C'est malheureux. Vinicius. Ah, Vinicius, je suis pas contente là. Franchement, Vinicius, ça va pas du tout. Après, c'est pas très gentil de dire ça quand même parce qu'il joue bien ailleurs. Il est chaud. Ouais. Il joue bien ailleurs. Je peux pas. Faut pas être ingrat. Mais là, c'est quand même catastrophique. Après, ça reste collectif. Ouais, sûrement. Le foot, c'est collectif, t'es au courant ? Oui. Qu'est-ce que t'as ? Là, on me voit bien ? Ouais, on te voit très bien. C'est mieux que toute ta vidéo où on croit que t'es aux toilettes. Ah oui ! C'est vrai, ça, on croyait que j'étais aux toilettes. C'est vrai, en plus, ils ont raison. On dirait que t'étais en train de faire. Oui, on dirait que j'étais aux toilettes, mais j'étais pas aux toilettes. Quand on filme quoi, t'as dit ? Quand on filme quelqu'un. Vas-y, retourne à ta place. Ok, ok. T'étais agité là. Que je ne suis pas dans un endroit habituel. Et quand j'ai dit ça, les gens, ils ont cru que j'étais... Que t'étais aux toilettes. Ils ont cru que j'étais aux toilettes ou en garde à vue. T'as plus de chances d'être aux toilettes qu'en garde à vue. Vous pensez que les gens en garde à vue, ils vont me laisser... En garde à vue, ce qu'on dit. Tourner une vidéo Real Madrid. Non, je suis très déçu du Real. Franchement, je suis très déçu. J'ai vraiment l'impression que cette année, elle commence à basculer dans le mauvais côté. Est-ce que la Ligue des Champions... Bah que, c'est bien. Oui, mais toi, ce que tu comprends pas, c'est que dans une saison... T'as plein d'options. C'est-à-dire que t'as l'option championnat. Remets-toi droit. Ouais, voilà. Non, mais parce que là, en fait, tu te baissais complètement. Bah, c'est à toi de bouger. Ah bon hey, ah, pardon. Eh oui, comme alors, attends. Je te paye à rien faire ou quoi? Tu relèves tout. Non, mais c'est vrai. Quand toi, tu dis que le championnat, bon, c'est pas grave et tout, mais... Attends, le championnat, c'est qui déjà? Championnat, c'est la Liga. La Liga, c'est... Toutes les équipes vont s'affronter deux fois. Mais que en Espagne. Mais c'est des équipes espagnoles. Et à la fin, c'est celle qui a le plus de points qui gagne. Le deuxième et le troisième, ils restent aussi en Ligue des Champions. Et donc voilà. Après, il y a la Coupe d'Espagne. La Coupe d'Espagne, c'est en mode... Comme la Ligue des Champions, mais que avec les Espagnols, c'est... Mais c'est quoi la différence de la Liga ? C'est un tournoi. C'est quoi la différence avec la Liga ? La Liga, c'est toutes les équipes du championnat. Elles sont sur un tableau et elles s'affrontent. Et la Coupe d'Espagne ? La Coupe d'Espagne, c'est... Telle affronte telle équipe, elle élimine cette équipe. Mais c'est pareil. Bah non, t'élimines personne en championnat. Mais tu joues quand même avec les mêmes équipes. Non, t'es pas en coupe, tu tombes sur des divisions 2, des divisions 3, et t'es pas obligé de jouer tout le monde. C'est-à-dire que tu peux gagner la coupe d'Espagne sans avoir éliminé Barcelone, c'est une autre équipe qui l'a éliminé. Tu comprends rien. C'est presque pareil pour moi. Mais... Et donc quand t'as un club comme le Real Madrid, t'es obligé normalement... Chaque année, c'est ce qu'on te demande avec les moyens que t'as, avec les joueurs que t'as, de prendre des gros trophées. Et le championnat, c'est un grand duel entre le Real et le Barça en majorité. Le championnat, c'est la Liga. Le championnat, c'est la Liga. Okay. Et donc, t'es obligé. Si tu le prends pas, c'est un échec. Si tu prends pas. Si tu le prends pas, c'est tu rates quelque chose. Si t'as pas la Liga. Si t'as pas la Liga, tu rates quelque chose, un trophée majeur. Mais si à côté tu prends la Ligue des Champions qui est le trophée. La Ligue des Champions, on est d'accord. Sauf si je me trompe, mais tu vas me le dire. La Ligue des Champions, c'est quand même 10 fois mieux que la Liga. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est la Liga de toute l'Europe. Oui et non, parce que c'est pas un championnat. Ouais, bref. La Ligue des Champions, attends juste. La Ligue des Champions, c'est. Juste. Attends, la Ligue des Champions, c'est pour participer à la Ligue des Champions, faut être. Très haut, on va dire dans les trois premiers de chaque championnat. C'est-à-dire en France, t'auras Paris, t'auras en Italie, c'est les plus grands qui s'affrontent. Donc pourquoi tu me dis que la Liga c'est bien en vrai? Parce que la Liga c'est un trophée majeur. C'est pas majeur, c'est la Ligue des Champions, c'est mieux. Oui, mais la Ligue des Champions, je vais. En fait, la Ligue des Champions, ça s'appelle la Ligue des Champions. Ouais. Donc c'est mieux que la Liga. Oui, mais pourquoi la Ligue des Champions? Parce qu'en fait, entre guillemets, c'est les meilleurs de partout qui s'affrontent. Bah oui, mais. Mais ça n'empêche que. Si tu gagnes pas la Liga. Ligue des Champions. Si tu gagnes pas la Liga, mais que tu gagnes la Ligue des Champions, bah oui, c'est trop bien. Tu fais une belle saison. Bah voilà. C'est parfait. Toi, tu pleures parce que ils ont que la Ligue des Champions. Bah c'est déjà bien. Mais j'ai pas dit. Mais non, le problème, c'est qu'ils l'ont pas encore. Bah ils vont peut-être gagner. Ouais, mais. Tu diminues tes chances. C'est comme si je te disais, t'es un grand. C'est quoi le rapport? Et t'as trois trucs majeurs et t'en as déjà perdu deux. Bah c'est pas grave. Il y a risque. Justement, la probabilité que tu gagnes les trois, elle est beaucoup plus faible que de. Elle est plus basse. Bah oui, elle est plus faible que de la probabilité de gagner que un. Donc même si là ils perdent la Liga, ils peuvent quand même gagner la Ligue des Champions. Mais quand t'es un grand club comme le Real, chaque année, tu te bats pour aller chercher les plus gros trophées. Écoute, moi je vais te dire, c'est quoi ton problème? Ton problème, c'est que t'as les yeux plus gros que le ventre. Non, et que les gens disent que je suis pessimiste. Non, tu veux gagner tout. Est-ce que je suis pessimiste? Oui. Oh, le mytho. Quoi, si, c'est vrai? Je suis pas pessimiste. Ça veut dire quoi, pessimiste?
C'est-à-dire enfin, si, je sais, ça veut dire quoi, mais dans voilà. quel sens ils veulent vrai, dire je ça. Je suis un peu pessimiste parce que. Oui, en fait, non, toi, t'es, je veux en dire, fait, t'es quoi. Non, non, t'es pas pessimiste. Je sais ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire que t'es fataliste. T'es fataliste. T'es pas pessimiste. T'es fataliste. Mais moi, je prends une réalité qui se met devant mes yeux quand le réel est nul. Ah, je me dis. Après, je dis pas qu'ils sont spécialement nuls. Ils sont pas nuls, t'exagères. Ils ont non, non, j'ai jamais dit qu'ils étaient. Ils ont gagné contre les Anglais et tout. Surtout que moi, ce que je dis très souvent, c'est que l'année dernière, ils ont fait une grande saison. Ils ont pris deux gros trophées majeurs, Liga plus, Ligue des Champions. En plus, on avait été le voir au stade. Et ça arrive que, vas-y, dans une phase de transition, l'année d'après, imaginons, ils font une mauvaise saison, ça va être de la déception. Mais tu sais qu'ils vont peut-être virer Ancelotti. Pourquoi ? Eh ouais, parce que... Ah, je l'ai mis bien, lui. Parce que le Real, c'est comme ça. Hein. À un moment donné, dès que tu fais une saison... Tu truc qui. Après, moi je pourrais accepter qu'Ancelotti parte seulement si tu ramènes un meilleur. Puis s'ils vont ramener qui ? Bah, quand je dis un meilleur, c'est. Tu sais, des fois, les deuxièmes années d'un coach, c'est pas aussi bien que la première. Ouais, c'est comme des saisons de Netflix. Attends, juste, pourquoi ils vont virer Ancelotti ? C'est pas sûr, hein, mais tu sais, il y a toujours une pression dans un club quand tu perds tes classicos, t'es en championnat, t'es pas premier. Là, en fait, si tu gagnes la Ligue des Champions, ça va. Mais genre, tu te fais éliminer après, il te reste plus rien. Surtout que là, ils ont perdu en coupe et il leur reste un match retour. Donc, voilà, quoi, t'as des questions ? Bah, non. Et c'est la déception. Ils ont perdu contre le Barça avec des absents. Il leur manque Pedri, Lewandowski, Dembélé, c'est les trois joueurs majeurs offensifs de ce Barça. Et quand tu perds face à ça, je suis déçu. Après, il y a des gens, ils vont tomber sur des individualités. Même si c'est vrai que Benzema, je trouve que cette année, il a toujours le talent et tout. Mais beaucoup de gens le remarquent. Alors que moi, depuis le début de la saison, je l'avais dit. Je disais pas qu'il était pas fort. Mais je disais que on sent que c'est pas comme l'année dernière. L'année dernière, on dirait qu'il s'était conditionné comme jamais. Et il y avait la Coupe du Monde. Et le fait que la Coupe du Monde, boum, il l'ait pas fait... On dirait qu'il y a... Alors peut-être que c'est physique aussi, les blessures. Mais on dirait que derrière, il a... Je sais pas, je le vois plus devancer physiquement de la tête. Je le vois pas... On le sent... Peut-être qu'il est atteint, peut-être que... Dans sa tête, il a plus de gros objectifs nouveaux. Si, maintenant tu vas faire ta psychologie... Bah ouais, mais c'est vrai. C'est très psychologique, en vrai. Écoute. C'est psychologique parce que... Écoute. Moi, je dis écoute. C'est parti pour la petite leçon. Voilà. C'est psychologique parce que quand t'as plus rien à gagner de nouveau... Est-ce que j'ai le droit de leur dire que t'es un gros quinquin ? Gros quinquin, ça veut dire... Il parle beaucoup. Il parle trop. Je vous jure, il parle trop. Il y a une caméra devant moi, si je parle pas trop, je fais quoi ? Non, mais même sans la caméra, tu parles trop. Toute ta vie, tu parles. Non, non, mais tu parles trop. En fait, des fois, on te pose une question. Au lieu de dire oui ou non... Il va ni dire oui. Non, 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 oui non. Ou non. Il répond c'est jamais. Inutile. Il parle pendant 20 minutes et il répond même pas à la question finalement. Oui ou non, c'est pas inutile. Efficace en fait. Tu fais que de parler. C'est plus intéressant. En plus, là, ce que tu dis, il y a plein de gens, ils vont reconnaître parce que des fois, ils pensent que je suis pas cash. Dans ouais, mais c'est vrai. Alors qu'en vrai, j'essaie d'expliquer ce qui non, mais d'accord. C'est, ça, c'est intéressant. Mais parfois, il faut prendre une décision. Il faut dire oui ou non. Mais en fait, c'est ma manière de voir les choses. Oui, mais en fait... Parce que des fois, il y a deux manières. Par exemple, quand on dit « est-ce qu'ils sont forts ?» Mais non, pas dans ça. Ça, il y a de la discussion à avoir et tout. Ok. Mais parfois, pour des trucs même pas de foot, rien à voir. Hein. Des trucs genre... je sais pas, un truc bête. Oui ou non. Il faut juste vraiment dire oui ou non. Oui. Et bah tu vas dire... Mais le but, c'est pas... Oui ou non, c'est pas intéressant en fait de dire oui ou non. Mais parfois t'as juste besoin de la réponse oui ou non. Mais oui, mais moi je t'apporte tu pas veux manger, oui ou non. Tu veux manger ça oui ou non. alors ça dépend, ça dépend à quelle heure, truc, est-ce la que j'ai payé mon. Est faite de nuances. Non, mais oui, ok, je suis d'accord, mais parfois bien. Il faut juste répondre, être efficace dans ses réponses. Mais... Pour moi, c'est plus intelligent quand tu lances une vidéo de quelqu'un ou que tu veux une réponse à un sujet non, mais bien sûr. Qui ne vienne pas à te dire... Non, mais dans les vidéos, oui. C'est... Là, on fait quoi, là ? On est où, là ? On est en vidéo ? Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est... après, moi, c'est ma manière de faire. Je sais qu'il y a des gens, ils aimeraient bien juste le... Voilà, le... Aller à l'essentiel. C'est même pas aller à l'essentiel. Si. C'est qu'ils veulent moi, j'aime bien pas ça. Comprendre...
les choses, ils veulent juste ton avis. Non, ça, moi, non, ça m'intéresse pas. C'est pas intéressant. Quand il faut comprendre les choses, il faut prendre le temps pour comprendre les choses. Bah, mais quand il faut prendre une décision, il faut être décisif. Point. Exactement. Bah, toi, t'es pas décisif. Oui, mais toi, t'es pas. Si, je suis décisif. Pas du tout. S'il faut être décisif, il faut être décisif. Genre, on te fait un centre. Toi, heureusement, tu travailles pas avec moi. Imagine, genre. Imagine, genre, on est à l'hôpital. On m'appelle parce qu'il y a quelqu'un, il est en arrêt cardiaque. Et on te demande qu'est-ce que tu dois faire. Alors ça dépend, est-ce qu'il est en arrêt cardiaque? Après, t'es formé pour ça. Là, tu dois pas réfléchir, après, tu dois agir tout de suite. T'es formé pour ça, c'est-à-dire une personne. Enfin, si tu réfléchis, mais. Qui... En fait, t'es formé pour avoir une réaction comme ça. Oui, pour réfléchir et agir en même temps. J'ai le temps pour mener à exact. En fait, le but. C'est une chance en vrai même d'être derrière la caméra et de pouvoir aller au but. Et donc tu vas transmettre le truc exactement comme tu veux le transmettre. Oui, c'est si ça. Je dis, oh, parce que ça arrive, il y a plein de gens, ils font des vidéos, ils vont dire oh, c'est nul, ou oh, c'est trop bien. Mais quand quelqu'un doit débattre de ce sujet-là, c'est trop bien. C'est quoi trop bien? Vas-y, c'est quoi trop bien, dis-moi. Trop bien de quoi tu parles? Quand quoi, quelque en fait chose est trop bien. Ouais. Pourquoi? Dans le foot, quand on dit ils ont fait un bon match, c'est pourquoi? Bah que ça t'a procuré des toi, émotions. Toi, si on dit qu'une équipe elle a fait un bon match, ça veut dire quoi? Bah que ça m'a procuré des émotions, que... Mais tu peux perdre en ayant des émotions. Non mais des bonnes émotions. Donc après, t'es obligé de gagner ou pas pour faire un bon match? Bah non, pas forcément. Donc tu peux perdre, avoir un bête de match et avoir des émotions. Ouais. Quelqu'un d'autre, si tu leur dis ils ont fait un bon match, et que tu dis après ouais mais ils ont perdu, on va dire mais je m'en fous. Oui parce que lui... Moi j'ai une vision du foot qui est, tu peux faire un match qui ne plaît pas aux yeux et avoir réussi ton match. Parce que le foot aussi, c'est être efficace. Un coach, quand il va parler à ses joueurs, il va leur dire comment gagner. C'est comme dans un combat de boxe. Si des fois, tu dois t'accrocher, mais que c'est dans la tactique, parce que tu sais que t'as moins d'endurance, tu dois le faire ou pas pour gagner. Oui. Et tu vois, c'est pareil dans le foot. Pourtant, on va dire que t'as fait un vieux combat. Mais si deux tours après, t'as gagné la coupe, eh ben, t'as réussi. Ouais. Et le but d'un coach, quand il a une équipe, c'est de voir ses points forts, ses points faibles. Pourquoi tu parles de ça, en fait, la prod est partie. C'est pour mener à par exemple, le fait de bien jouer, pas bien jouer. Et parce que je dis ça parce que le Barça, ce qui revient, tout le monde dit, ils ont fait que défendre. Mais le Real, quand ils ont fait la Ligue des Champions, la dernière, quand ils marquaient des buts, après, ils défendaient comme des bonhommes. Et c'est tout un art. Bah si, ça fait partie de leur stratégie. C'est un art de réussir à ne pas encaisser et de marquer... Et le but, c'est ça. Après, en vrai, ils n'ont pas marqué. Qui? Le Barça. C'est... Ouais, mais... Bah, si. C'est leur action qui a mené... Oui, mais ils n'ont pas marqué, bah, c'est factuellement. Face à face. C'est... Non, mais si, ils ont gagné. Ils ont marqué par l'intermédiaire du CSC. Ouais, voilà. Mais... Donc, ils n'ont pas marqué. Bah, si, dans le panneau d'affichage, ils ont marqué un but. Oui. L'équipe a marqué un but, mais pas de joueurs, on va dire, de chez eux. C'est voilà, ils ont un but, mais ils n'ont pas marqué. L'équipe a pris l'avantage par... Voilà. T'as vu, tu dis je vais pas je suis pas caché. Mais parce que non, c'est pas pareil. Toi, non, tu sais pourquoi? Moi, ah, d'accord. Non, moi j'essaie d'être précise. C'est différent. Okay. Voilà. Toi t'es pas précis. Ah. Tu parles beaucoup mais t'es pas précis. Ah pardon. Je rigole. Non, donc, je rigole. En vrai, bravo le Barcelone. C'est comme ça qu'on dit. Genre, tu es la loyale. Moi je suis loyale moi. Oh la mytho. Non, c'est pas loyal, tu veux dire fair play. Tu fais pas la rageuse, tu fais la fair play et tout. De nous deux, c'est qui le fair play? C'est toi. Je dis la vérité. En plus, là, l'objectif, c'est... Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Ils ont avant, gagné, ils ont gagné. Pas comme ça. J'étais pas comme ça avant. Mais je pense que c'est l'âge. Pour de vrai, je pense que c'est l'âge. Non, moi, je... Bah, s'ils ont gagné, ils ont gagné. Ça sert à quoi d'avoir la haine? Quand t'aimes quelque chose, un domaine, à un moment donné, tu dois l'analyser... Est-ce que j'ai le droit de dire un truc? Tu dis ce que tu veux, je peux couper. Bah oui. Je voulais juste dire c'est moi que... qui finis au montage. Je voulais juste dire que je veux juste que Paris gagne pas. T'as le droit de pas aimer Paris? Ouais, j'aime pas Paris. Peut-être que ça fera le tour des réseaux que enfin, de reste, aime pas Paris, mais bon. Moi, j'aime pas Paris. Après, ils vont croire que moi, j'aime pas Paris. Est-ce que j'aime Paris ou pas? Non, toi, ça va, je pense. Non, j'ai rien contre Paris. Honnêtement, Paris, j'aimais plus avant. Ça, c'est une réalité. Après, il y a des choses que... Moi, très souvent, quand je suis pas supporter d'une équipe, j'aime bien l'outsider. Ils mettent de la difficulté, ou dans un match, par exemple, une plus petite équipe que Paris, par exemple, où elle marque.
Et ça fait un match derrière intéressant parce que si Paris ne gagne pas, ça fait des grands titres. Et quand toi, t'es pas pour cette équipe, t'as envie de voir des grands titres, des grands débats, des grands échanges. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Les gens se rendent pas compte, mais tu sais, il y a plein de gens, ça aussi c'est un sujet que tu dois savoir. Il y a plein de gens, ils pensent que. C'est parti ? Non, non, j'ai pas dit ça. Ah, ok. Je parlais aux gens qui allaient regarder la vidéo, j'ai dit c'est parti, il va non, trop parler. Il y a des gens qui commencer à trop parler. Sur Twitter et tout, ils pensent que. T'es comme un traître à ton club. tu m'as perdu. Et genre, est-ce qu'il est pour le Barça en vrai ou pour le Real, le truc ? Parce qu'en fait, il y en a, ils n'arrivent pas à comprendre que tu peux. Enfin, moi, j'ai toujours dit, quand tu vois quelque chose, je sais pas, c'est beau, c'est moche. Ce qui est moche là m'appartient. Je vais pas dire, ça m'appartient pas. Ça m'appartient et c'est moche. Non, mais y a rien, là, regarde pas. Je sais qu'il y a rien. Et le truc qui est beau là, il est pas chez moi. Je vais mentir, je vais dire, il est pas beau. Qu'est-ce que tu regardes ? Je voulais zoomer ce qui est beau et ce qui est moche. Et voilà. Alors montre-moi ce qui est beau. Donc là, ça c'est à moi. Ouais, ça c'est beau ou c'est moche ? Et c'est pas beau. Ça c'est pas beau, ouais. Je dois. Et on me dit, est-ce que c'est beau ou pas beau ? Je dois admettre. Je dois dire. Ouais. Si mon but c'est de dire la vérité. Ouais. Et si ça c'est pas à moi. Ouais. Et je suis grave deg. Hein. Ouais. C'est beau, c'est pas à moi, mais je suis grave deg. Ouais. Mais je dis, c'est pas à moi, c'est beau. Ouais. C'est de la logique en fait. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à la comprendre, celle-là, cette logique-là. Parce que, et là, on rentre dans un nouveau sujet. C'est parti. C'est le fait de supporter. Ça aussi, c'est un super sujet. Je ne sais pas si on le fera dans une autre vidéo ou si j'en parle dès maintenant. Mais le fait de supporter. C'est quoi pour toi, supporter ? Et c'est parti. Non, mais vas-y, j'aimerais bien avoir ta notion. C'est intéressant, ça se trouve, ça va leur plaire. C'est quoi ? Si ça vous plaît, vous me le dites dans les commentaires. Je pense pas que ça va leur plaire, ils s'en foutent de ma vie. Hein. Non, mais c'est pour rebondir que tu es là. Ah bon ? Bah oui. D'accord. J'étais pas au courant. Non, mais c'est pour permettre de rebondir. Alors, quelle est la question ? C'est quoi supporter pour toi ? Est-ce que c'est être aveuglé ? Bah non. Parce que tu fais pas avancer les causes, sinon, dans la vie. Tu parles du foot ou dans... Dans tout. Dans le foot, quand tu supportes une équipe, tu la kiffes, ouais. Mais à un moment donné, les choses, elles ont fonctionné parce que tu pointes du doigt des problèmes et t'es pas aveuglé. Ouais, mais moi, je vais dire... Attends, moi, je vais dire ma vision. Moi, il y a des joueurs, je les kiffe, mais si j'estime qu'en ce moment, ils sont pas en forme, ben, je vais dire non, je trouve qu'il est pas bon, là. Oui, parce qu'il faut dire la vérité. Bah ouais, et si à côté, mes rivaux, ils sont bons, je dis, bravo, ils sont fous. Ils bah sont oui, bons. Oui, ils moi, sont, je suis d'accord. Chaud. Je suis d'accord avec ça. Et t'as des joueurs. Par contre, moi, je dis qu'il ne faut pas casser la personne que tu supportes devant non. tout le monde. Ça veut dire que tu lui dis en tête à tête que là ça va pas ce qu'il a fait. Non, mais tu parles de qui ? Moi je peux pas aller le voir en tête à tête, le gars. Ah, mon ouais, but. Ça. Oui, non, mais travail, tu m'as dit c'est quoi supporter dans la vie ? Tu dis voilà. Oui. Ah voilà. Oui, non, par exemple, quand t'as des proches et tout, bien sûr, le but c'est d'avancer, d'évoluer. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut être loyal. Il faut être loyal envers la personne, même si tu sais qu'elle a tort. Ah, bah, bien sûr. Mais après, en aparté, tu lui dis. Mais la vraie loyauté, c'est pas de voir quelque chose sombrer et de laisser. Bah, bien sûr. Parce que tu aimes. Bien sûr. Non, ça, c'est. Ça, c'est pire que tout. Non, ça, c'est pas bien. C'est pire que tout. Moi, quelqu'un qui me fait ça, ça veut dire qu'il m'aime pas. Dans le foot, il y a beaucoup d'aveugles aujourd'hui. C'est-à-dire que vu que c'est mon rival. On va prendre même Messi, le sujet Messi et tout. Quoi, vu que Messi, il est au Barça, enfin il était au Barça, et il a été un grand rival au Real. Ouais, il a fait du sale là, au Real. Ouais. Et que au Real, il y avait Cristiano, il y a eu ce duel pendant longtemps, ouais. Tu n'as pas le droit d'admettre ce nom des gens. C'est comme si c'était des divinités, tu vois. Tu n'as pas le droit de toucher ton joueur. En fait, si à un moment donné, il est moins en forme et que l'autre est plus en forme, bah, tu n'as pas le droit de le dire, tu dirais. C'est comme un rookie. Bah, si par exemple Ronaldo sur la période, imaginons là, il est moins en forme que Messi. Tu parles de Cristiano Ronaldo. Cristiano. Mais il est plus. Non, mais je dis ça parce que c'est un grand débat. Il y en a. Les deux sont même plus dans au Real et au Barça. Ouais. Mais ça fait toujours des débats, des histoires, des trucs comme ça. Et si ça fait des débats et des histoires, c'est parce qu'ils se valent en soi dans plein de choses. Ah, je pense pas. Je pense quand même que Messi il est mieux. Ouais, mais moi ça me choque pas que quelqu'un puisse dire ça. Je pense Messi il est plus fort quand même, faut le dire à vérité. Moi ça me gêne pas. Après moi Cristiano mais tu sais, bien. Tu sais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont quand même tous les deux un étage au-dessus des bien autres. Bien sûr. Et en fait, bah, évidemment. Si ils étaient pas du tout comparables, ce débat-là il n'existerait pas. Oui. Parce que ça n'existe pas avec un autre. Oui. On compare pas Ronaldo à Guy Varche. Je sais pas c'est qui. Ouais, c'est un ancien. Mais ça n'empêche que voilà, donc dire c'est incomparable pour moi ça peut pas. Tu peux pas dire ça parce qu'ils ont toujours été comparables jusqu'à aujourd'hui. S'ils sont comparés, c'est que c'est comparable. Et c'est surtout que les gens ne se rendent pas compte qu'en pointant, en voulant rabaisser toujours Ronaldo quand ils sont fans de Messi, ils prouvent qu'ils sont comparables en fait.
Parce qu'ils veulent retirer des points. Attends, juste, pourquoi tu parles de ça, là? Bah, parce que c'est le côté supporter. Ok. T'as vu, je suis dans mon truc, hein, je sais de quoi je parle. Moi, j'étais plus avec toi, là. Donc voilà, le côté aveugle et tout. Et moi, je trouve que c'est hyper passionnant, quand t'aimes le sport ou le foot, de réussir à... Parce que si je m'écoutais vraiment intérieurement, combien de fois je me serais tué, genre, face au mérite du Barça, face au mérite de Messi, à certains moments. Et moi, tout le temps, quand je critique Messi, on me tombe dessus. Quand je le vante, on me tombe dessus, parce que j'ai les deux parties, en fait. Ça veut dire quoi? J'ai les deux parties. Quand c'est je vante Messi, les pro-Barça, ils me kiffent, mais ceux du Real n'aiment pas. Pourquoi? Bah parce que c'est un rival au Barça depuis toujours, Messi, il a toujours été rival au Barça. Au Real, pardon, il a été rival au Real. Donc, okay. C'est comme si, quand je parle bien du Barça, les mecs du Real ne m'aiment pas trop. Quand je parle bien du Real... Les mecs du Barça ne m'aiment pas trop. Ben, on s'en fout, non? Oui, mais beaucoup pensent que c'est la facilité de pouvoir parler des deux. Alors qu'en fait, t'as toujours... Non, faut être objectif, c'est tout. L'objectivité, c'est voilà. C'est pas facile d'être objectif, mais... Hein non, mais c'est pas facile. Quand on dit faut être objectif, c'est on doit essayer de se chercher en fait, de l'honnêteté dans un sujet. En fait, être objectif, c'est tendre le plus possible vers la vérité. Voilà. C'est ça. Mais c'est pas facile. Mais c'est possible que dans des moments où émotionnellement un truc me touche, bah, je paraîtrais moins objectif, mais j'essaierai de me diriger vers ça. Mais même dans la vie, t'es comme ça, et... je trouve. Ouais, mais alors ça, par contre, c'est un autre sujet. Plein de gens. Excuse-moi, mais ça fait déjà 27 minutes. Peut-être que ça fera 5 vidéos, au pire. Quoi, 5 vidéos? Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, il y a plein de gens aussi, ils pensent que je suis. Je fais semblant. D'être objectif. Non, non, ça par contre, je vous le dis. Alors que les gens, je leur dis. C'est vrai qu'ils parlent trop, c'est vrai que voilà. Mais par contre, ça, c'est la vérité, il est vraiment objectif. Alors qu'en fin de compte, c'est, pour moi, c'est un plaisir parce que c'est un combat avec soi-même aussi. Ouais, de ouf. Et ça, c'est magnifique. Et le foot, en fait, des fois, ça me permet de ce truc-là. Et bah bravo. Des fois, par exemple, je te jure, des fois, je suis hyper dégoûté d'une victoire du Barça. Ouais. Et après, quand la vidéo elle se lance, je dis, je vais être. Et en plus, des fois, je suis doublement dégoûté parce qu'il y en a, ils me mettent la haine sur les réseaux. Pourquoi? Du côté du Barça, vous, ceci, vous, machin. Et après, c'est un double travail sur soi. D'accord. D'arriver devant le truc, et voilà. Bah, bravo. Bref, voilà, on va clôturer. Si t'es fier de toi, c'est l'essentiel. Je suis fier, ouais, quand même, un petit peu. Mais au moins, je suis en accord avec moi. T'es aligné. C'est mieux que d'être fier de moi. T'es aligné avec toi-même. Tu peux être aligné et fier en même temps, c'est encore mieux. Oui. Des fois, il y a des moments de fierté aussi. Mais c'est cool. Voilà. Salut voilà, à tous. Ça vous a plu. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Ah oui, là je dois dire, et la paix sur vous. Attends, j'ai le droit de conclure, de dire un truc, c'est bon, la paix sur vous. Vas-y. En gros... Tu dois juste dire au revoir, là, pourquoi non, tu vas raconter ta vie? Attends. Espère pour dire au revoir. Non, je voulais dire te rends compte que tu parles. Voilà, si ça vous a plu. Ah ouais. Si ça vous a plu, ce genre de vidéo... Eh ben, dites-le moi, comme ça, il y en aura de temps en temps. Eh ben, vous n'êtes pas obligé de dire blogs. Que si ça vous a pas plu, vous avez le droit de dire que ça vous a pas plu. Hein. Ah bah ouais, ça n'aura aucun sens, sinon, nous, depuis tout à l'heure, tout ce que je dis... Moi, personnellement, je le prendrais pas mal les... Oui, parce que toi, c'est pas toi qui est devant la caméra. Oui, mais... Si on dit c'est nul, c'est surtout parce que je suis devant... Mais non, c'est moi, c'est à cause de moi si c'est nul. Ouais, c'est toi, vrai, les gens, ils te regardent tout le temps. C'est vrai. Là, c'est moi... Moi, je pense que ça peut plaire. À part non, la non. déco, hein, parce que je suis pas dans un endroit habituel. Il est aux toilettes. C'est pas vrai. Je rigole. C'est pas vrai, je suis pas aux toilettes. Ah ouais, j'avoue, là, en plus, j'ai encore la posture, là, comme un truc. Je suis pas aux toilettes. Hein. Regarde, montre ça. Ouais, il est pas aux toilettes, regardez. Je sais pas si c'est des toilettes de luxe, mais... Donc voilà, si ça vous a plu et tout, j'aimerais bien avoir un retour. Et voilà. Et qu'est-ce que je dis toujours à la fin? La paix sur vous, les amis.